Bonjour à tous, c'est Tony Montana. Bon, moi, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer un unboxing sur le NAS Synology DS920+. Donc voilà, après voilà, c'est plutôt bien emballé. On ouvre la boîte, vous avez plusieurs petites boîtes à l'intérieur avec les câbles. Je vais mettre sur le côté, on verra après. Donc ouais, vous avez donc deux principales boîtes de deux câbles. Et ensuite, vous avez le NAS. Donc là, c'est un 4 baies, plutôt bien emballé. Donc voilà, après, il était recouvert d'un petit feutre de protection. Et voilà le NAS. Donc un 4 baies. Vous avez là le bouton power. Un USB. Le statut global. Le disque 1. Le disque 2. Le disque 3. Et le disque 4. Voilà, première baie, deuxième baie, troisième baie, quatrième baie. Avec le petit verrouillage de chaque baie. Avec la petite clé qui va avec. Ensuite, au dos, on a l'alimentation, un port SATA et deux ports RJ45. Un autre USB et le trou de sécurité pour l'antivol et les deux ventilateurs. En dessous, vous avez les deux ports de M2, donc pour des disques durs M2. Voilà, donc il est assez volumineux, mais sans être non plus trop volumineux. Ensuite là on a la petite boîte, donc on a à l'intérieur un simple câble d'alimentation. Donc très classique. Voilà, très classique. Et ensuite, dans la grosse boîte, enfin la grosse boîte, celle qui est plus grosse que l'autre, on a deux ports RJ45, enfin deux câbles RJ45 et le câble d'alimentation que voici. Et à l'intérieur, donc voilà les deux câbles RJ45. Les petites clés pour bloquer les baies. Pour verrouiller les baies. Voilà, là la baie est verrouillée. Voilà, donc c'est pratique pour verrouiller les baies. Ensuite, vous avez un petit fascicule pour vous aider à trouver le NAS sur le réseau et à le brancher. Vous avez aussi la visserie dans la boîte pour fixer les disques durs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!